Ok, donc bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui donc nous nous retrouvons pour l'épisode 17, il me semble, C'est non, fait. 18, voilà c'est ça, 18, de Baldur's Gate. J'avais failli rage-quitter à l'épisode précédent, au début de l'épisode précédent, mais je suis toujours là, biatch, malgré que tous mes personnages ne peuvent plus augmenter de niveau et que je vais récupérer et que Viconia s'est barré. Et que ben on va voir pour récupérer encore un mec. Il me semble qu'il était là. Il n'était pas là. C'est fait. Peut-être ici alors. Il était là? Ouais, il était là. C'est fait. Ok, on va traverser ça. Et donc on va récupérer un personnage, on verra bien. Au pire, j'ai vu qu'on pouvait tricher sur l'XP, alors si on le récupère et qu'il est de bas niveau, je crois que je vais cheater son XP. J'ai pas envie d'aller refaire du farming juste pour un mec. Vous êtes longs les mecs. On sait très bien ce qu'il nous raconte, hein. Alors, voyons un petit peu ce que nous donne ce personnage. Ah d'accord, oui, il a une belle tête. Niveau 5. Why not? C'est quoi? C'est un barde. Oh. Ah, il a le pouvoir de Lost quand même. J'ai une question, est-ce que j'ai désactivé les cheats? Ouais, j'ai désactivé les cheats. Bon bah je cheaterai son XP plus tard. Que se J'attends passe-t-il? juste qu'il se déloque, parce qu'on l'a loqué comme un pauvre con. Mais bon. Je le montrerai à son niveau max plus tard. Allez, ce sera suffisant. Merci de te débloquer. Ah ouais, c'est vrai que les bardes peuvent faire du vol à la tire. Et il est pas mal à 60%. C'est fait. Sachant qu'il est parmi nous par intérêt, donc je sais pas combien de temps il va durer. On va essayer de se diriger directement vers la porte de Baldur, peut-être. Ah non, j'ai dit le. La reine des araignées. Ok. Donc notre cible est là. Petite pause. Je reviens. Ok, donc on se retrouve. J'ai juste augmenté de niveau. Donc ce fameux personnage qui est arrivé niveau 7 ou 8, je sais plus. Niveau 8, voilà. Avec 37 points de vie. Et on va voir ce qu'il vaut. C'est fait. On a une araignée qui nous attaque.
Date attaque. Bon, on va voir ce que ça donne. J'ai vu que Jaira avait un pouvoir qui pouvait m'intéresser. Non, pas ici. Pas non plus ici. Bah, il est où son sort Ah non, c'était Locke qui avait le pouvoir d'invoquer les morts. Oh merde. Elle l'a pas, elle. Non. Appel à la forêt, c'est tout. Bon, bah, ouais. Tant pis. On va bien voir comment ils se débrouillent. Il est où ce con? Passons aux choses sérieuses maintenant. Bon. Et maintenant, que se passe-t-il? Bon bah, j'ai vu que t'as que ça. On va aller voir ce que cela donne. Juste Imoen qui est encore encore, je sais même pas pourquoi lui il peut pas utiliser ses pouvoirs. Hein, bon. Ok, j'ai plus un sort de soin disponible. Ok. Juste pour un point de vie, mais pas sauvegarder le jeu pour l'instant. Oui. Allez, termine ton sort. Voilà, merci. Je sais même pas pourquoi je recharge pas là. Attendez. Vous réveillez en proie à des sueurs froides. Jetant un regard alentour, vous découvrez dans un surplus de terreur, un énorme insecte descend vers vous. 8 pattes, un trop grand nombre d'yeux. C'est une araignée géante. D'accord, ok, tout va bien.
Est-ce que je peux me reposer, s'il vous plaît? Gameplay de fou! Allez, 150e jour, chapitre 5, tout va bien. Je suis maudite, l'archimage. Johnny Caius m'a maudite pour les indignités que je lui ai fait subir. À lui et sa femme. J'aimais John, mais maintenant je le déteste. J'aimais John, mais maintenant je le déteste. Comme tout le monde d'ailleurs, les araignées. Des araignées. Priorité aux dents de sable. Je sais pas ce que ça fait, son machin, je sais plus. Oui, j'ai mal géré le truc. D'accord, puis il n'y a pas de sauvegarde automatique entre les deux. Ok, il est en fuite. Ça fait rien. Non, 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 ça. C'est vrai que j'aurais dû laisser l'armure plate. Ouais, je suis con, moi j'ai pas équipé l'autre alors évidemment. Non. Non, mais je suis con, moi j'ai pas équipé l'autre en même temps. Il a une classe d'armure pourrie. Question con, est-ce qu'il peut prendre une armure plate lui? Non, bien sûr. Est-ce qu'il peut prendre la besantine plus 1 par hasard? Oui, il peut. Il gagne qu'une classe d'armure. Toujours ça de prix. Ah oui, puis il a un main nulle, mec. Ouais, tout va bien. Je sais que tu peux maîtriser ça. Donc tu vas prendre ça, s'il te plaît. Voilà. Je me demande, est-ce que on ferait pas mieux, c'est de se les faire comme ça. On va essayer comme ça.
Heureusement que j'avais appuyé sur pause. Bon, deux morts, pas dramatique. Une tâche facile. Ah oui, puis j'ai pas lu le. Pas sûr, oui. Ok, inventaire plein. Je m'entête en plus. J'ai toujours pas lu les trucs de. Donner à Jaira parce que sinon voilà, et on a le corps de l'autre. Ok, et par contre, il va falloir qu'on fasse de la place. Ok, il est trop lourd, c'est bien ce que je craignais. Quel aussi résultat? Notre héros, quand il va prendre le corps, à mon avis, notre héros, il va faire un peu la gueule. C'est bien ce qu'il me semblait. On va voir. On va voir comment on peut faire. Ok. La murplate. Ouais. Bon. Qui peut prendre le corps? Toi, puis tu peux te débarrasser de. Et on peut se débarrasser d'éventuellement 2-3 trucs. Tous nos inventaires sont pleins. Ah, là. Bon, on va devoir laisser 2-3 trucs ici, je pense. Ça, tu peux le laisser à terre. C'est le corps de Schlack. Eh ben, tant pis, on va avoir un. Identifié celle-là et celle-là de non celle-là c'est un anneau normal en fait donc on va pouvoir s'en débarrasser. J'essaie de voir ce qu'il y a le plus lourd mais c'est ça visiblement le plus lourd. Dans une robe c'est plus lourd. Quitte à faire, on va prendre celle du voyageur.
Ah, elle aussi, elle est trop lourde. Au pire, on va en redéposer et on reviendra plus tard. Ouais, avec deux inventaires en moins, ça le fait vraiment pas. On va quand même essayer, mais déjà, qui est Tâche immobilisé? facile. Ok, Kaïd et Jaira, ils sont immobilisés, donc il faut absolument les alourdir. Enfin, les alléger, je veux dire. C'est notre héros qui peut porter le plus, celle-là. Bon, on va vider notre héros. Ça, c'est pas lourd, ça non plus. Ça non plus. Les potions. Les potions. Ok. Passe le corps. Ok, là on passe nickel. On passe, enfin juste, mais on passe. Bon. Ensuite, Jaira. On va juste la décharger un petit peu. Ok, l'inventaire de Khazid est plein. T'as des potions, tu vas les mettre ici. Ça, pour le moment, tu vas les porter, comme ça on sera tranquille. Et Jaira. Ça avec, comme ça on est sûr. Non, ça c'était trop. Ok, on a réussi à organiser l'inventaire. Bon, on va essayer de remonter. Petite sauvegarde. Bon, on continue. Et on va essayer de rejoindre ici. Non, c'était pas là. Quoique, on n'est pas loin. Tâche facile. Voilà, c'est lui que C'est je voulais. fait. Au moins, en se débarrassant du corps, on va pouvoir être un peu plus léger. Check, oh check, comment apprendre la nouvelle à ma mère? Quelle folie, j'aurais dû arrêter cette idée idiote. Quel gâchis, gardez cette maudite épée, elle nous a été fatale. Plus qu'autre chose, merci d'avoir rapporté le cadavre de mon frère. Vous n'aurez pas pu faire grand-chose. On a qui son expérience. De toute façon, on remarque, c'est juste pour le dommage. Je pensais avoir de la réputation parce que c'est après ça que je cours. Mais en fait.
d'autres questions? Merci. Ok, allez, on est reparti pour ressusciter les deux zozos. Déjà 20 minutes de vidéo. Vu que j'ai débordé un petit peu à l'épisode précédent, je pense raccourcir un petit peu, peut-être 45 minutes seulement. Allez, c'est bon, vous avez fini. Putain, arrêtez de vous plaindre, quoi, sérieusement. Je dirais une femme. Bon, même si on a deux. Ah ouais, c'est vrai que le groupe, là, actuellement, parmi les vivants, on respecte la parité, hein. Alors. Oh, 2000. 2000. Quoi? 1000 pièces d'or pour ressusciter l'autre et 1500 pour Putain, la vache. Et c'est pas fini, il y a les soins avec. Tu vois, tant qu'on y est, quitte à claquer de la thune, autant le faire bien. Ok. Par contre, je réfléchissais à un truc. Alors ça, on est d'accord que ça va aller à... Par contre, les autres... Hé, oui, biatch! Hop, ça... Ça, on s'en fout. C'est Cali de Catou, la Besantine. C'est tout. Ça va aller à Xan. Avec ça, ça et ça. Ça aussi, pour l'identification. En parlant d'identification, identifier le passeport. Un autre folie. Ok, alors qu'est-ce qu'elle fait, Anatoly? L'intelligence passe à 3, la sagesse passe à 3. Inflige la débilité mentale du porteur. Ne saute qu'à l'aide d'un sort délivrance de la malédiction. Ok, donc c'est un anneau maudit, ça. Ça, c'est un anneau maudit, c'est à jeter. La baguette, bah on va l'identifier à l'ancienne. Ok, alors. C'est une baguette. Oui, baguette de givre. Ok. Et les parce qu'on a récupéré une épée, il me semble. Je suis pas fou, on a récupéré. Genre, on a un écu non identifié là. Bon, pourquoi pas. Bon, c'est qui a récupéré l'épée? Pas dingue, on a récupéré l'épée de. On l'a pas oublié là-bas, rassurez-moi. On l'a oublié là-bas. J'y crois pas. Putain, on doit y retourner. Oh non!
Oh le con. Excusez-moi un instant. Bon. On va se faire une petite ellipse. Juste terminer. C'est celle-là. Bon. Bah c'est tout. Celle-là, non. Si, c'est... Hop. Et tant qu'on y est, j'avais ton épée sous les yeux un instant. C'est Jaira qui doit l'avoir. Exact. Bon. Bah écoutez, je vais juste aller me reposer dans le jeu, hein. Et puis ben je vous reprends un peu plus tard. Je sauvegarde juste rapidement. Bon, bah sur ce, bah, je vous dis bah, tout de suite. Je vais juste me reposer et puis je reviens. Ok, donc et bah, nous nous retrouvons pour cette dernière heure, enfin cette dernière demi-heure de jeu. Hop, enfin la dernière. Pas la toute dernière, évidemment. On a encore du chemin à faire. Et donc, je voulais récupérer cette épée. Je te l'ai déjà identifié. Elle ne l'est pas. Xan, fais ton travail. Donc c'est une épée à deux mains. Mais normalement, elle doit avoir fléau des arthropodes. Si on peut dire. Ah, intéressant, elle protège de tous les sorts qui peuvent gêner le mouvement. Ah, piscine. Vache, dégâts 1 des 10, plus 2. Je sais qu'il y a le ta. Oh, ouais, voilà. Action libre. Je sais pas ce que c'est le taco. Ouais, là il est à 14. Pareil, ça diminue. C'est comme la classe d'armure, mais. Est-ce que ça. Ok, elle bug l'épée. L'épée bug, c'est pas un souci, elle disparaît de l'écran quand je la prends. Bah non, c'est bizarre. Bon. Une tâche facile. Direction les portes de Baldur. Allez, c'est parti. Espérons qu'on va pas encore se faire attaquer. Deux par deux, comme à l'école. Au moins on connaît les camps de bandits. Une tâche facile. Et direction donc les portes de Baldur. Il me semblait qu'à un moment on devait retourner à Château Suif. C'est peut-être plus tard. Je me souviens qu'à un moment on doit retourner à Château Suif. On accède à la grande bibliothèque. À la grande bibliothèque. Mes idées sont beaucoup plus claires parce que je suis reposé. Bon, on va de nouveau se reposer. Espèce d'esclavagiste,
Pour cela, on va sauvegarder quand même. On passe. C'est fait. Ok. Il veut pas qu'on accède à les, par les, à, aux portes de Baldur comme cela. Non, tais-toi, 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 tais-toi. Est-ce que tu acceptes si je passe par là? Non plus, donc on doit forcément passer par là. Gorion serait fier de vous. Je sais, je sais. Mais il est mort ce con. Bon. Ankerk, c'est quoi? Ouh, c'est quoi ce truc? Ah, oh, je me souviens de ces bestioles. Ouais, oh. Ah d'accord, ok. Autant pour moi, je l'avais pas vu. Non. Voilà. C'est fait. Oui. Tâche facile. Ouais, truc chelou ici. Je crois qu'on va se tirer. La meilleure solution. Vous arrêtez de nous poursuivre? Ok, nickel. Oh là là. Non mais... Pourquoi est-ce qu'il attaque plus avec ses sorts lui? D'accord, ça peut l'air d'être des créatures contre qui on peut... ce qu'on peut faire avec ses têtes, mais ça vaut le coup de les récupérer dans mes souvenirs. Ok, ça pèse trop lourd par contre. Oh puis merde. Bah, de combattre des ankeg. Alors écoutez, c'est la saison des amours, donc c'est surtout les femelles qui remontent à la surface. Elles cherchent à prendre un petit peu de poids, elles ont faim, elles sont agressives et elles sont nombreuses. Bon, le but de l'exercice n'est pas de les examiner, mais de maintenir leur population à un niveau raisonnable. N'oubliez pas, les ankeg oxygènent le sol. Et ce qui améliore les récoltes jusqu'à 15%. La nourriture va se faire plutôt rare dans les années à venir. Gardez ça à l'esprit une fois là-bas. Maximum 4 handsec par équipe. Après, on attrape et on relâche. D'accord?
Le gros de l'activité démarre à environ 45 mètres sur la gauche. Maintenant, dehors tout le monde, je vous surveille d'ici. Oui, bah t'en fais pas, on va pas aller s'attaquer à des créatures de merde là parce que. Allez, pourvu qu'on puisse accéder. Oui, on peut. Ok. Bon, juste. Normalement, on peut pas se reposer ici, hein. Dans mes souvenirs. Bon, allez, on a un niveau de vie convenable. Et c'est là qu'on va voir si on a une équipe relativement bonne ou pas. Dans mes souvenirs, soit on passe, soit on passe pas. Ça a l'air de bien se passer. Voilà. Alors, une pièce. On vient de Château Suif. Demandez-moi de me présenter, la Balafre, commandant en seconde du chef du pont enflammé. Vous n'avez pas révélé vos noms, mais répondez au moins à cette question. Est-ce que c'est vous le groupe impliqué dans le désastre des mines de Nazquel? Non. J'espère que vous dites vrai, bien que. Ça n'est pas vraiment d'importance. Allez, je vous rends la liberté. En cas de problème, si vous changez d'avis sur votre identité, vous pouvez me retrouver à l'intérieur de l'enceinte du pont enflammé. J'ai un doute. On va se la refaire. Bon alors désolé pour le long trajet mais bon. Ça savez ce que c'est hein. J'ai pas trouvé de shield pour augmenter la vitesse de déplacement. Mis à part le fait de. D'ailleurs les bottes de vitesse je les ai vendues. Hein. Elles sont à Berry Ghost. Je les ai vendues à la forge de Berry Ghost. Ok. Je vais sauvegarder ici. J'ai oublié de soigner, bien sûr. Voilà, donc finalement on va re-sauvegarder. Voilà.
juste pour savoir. Je dois dire que vous avez semé la pagaille ici, à la porte de Baldur. Je n'arrive pas à trouver des sources fiables, mais les choses bizarres se sont produites dans la ville. J'ai de plus en plus de mal à faire confiance à quelqu'un. J'ai besoin d'étrangers pour procéder à une enquête des personnes n'ayant aucun lien avec les gens de la ville. Seriez-vous prêt à faire ce genre de travail pour moi? Si ça paye bien, bien sûr. Ok, un peu plus de lecture. Bon, d'accord, ce que je vais vous dire doit rester strictement confidentiel. Vous comprenez, je veux que vous commenciez votre enquête au Transmarché des Sept Soleils. Ok. Les responsables des Sept Soleils se comportent bizarrement. Ils ont vendu des actifs de valeur et ont négligé de nombreuses opérations commerciales rentables. Étant donné l'importance du groupe sur l'économie de la ville, les grands-ducs sont manifestement contrariés. Je suis allé parler au chef du groupe, Jasso, et il m'a brutalement envoyé promener en me disant que cela ne me regardait pas. Je connais Jasso depuis de nombreuses années et je sais que ce n'est pas son comportement habituel. Je ne peux ouvrir une enquête officielle car il n'y a aucune raison de le faire. C'est pourquoi j'ai besoin de vous. Nous sommes prêts à commencer. Dites-nous ce que nous devons faire et combien vous nous paierez pour le faire. Nous sommes prêts à le faire, mais vous devrez savoir quelque chose auparavant. Nous pensons que le trône de fer est peut-être derrière les récents événements sur la côte, aux mines de Nazquel et au bois manteau. Nous avons pris long sur les buts et méthodes du trône de fer. Et ça me laisse rien près. Ok, on va être honnête jusqu'au bout et parler du trône de fer. Eh bien, cela éclaircit un peu les choses. Je ne peux pas y faire grand-chose, mais je vais m'en occuper. Je veux que vous pénétriez dans l'enceinte des Sept Soleils et que vous trouviez ce qui ne va pas et enquêtez avec discrétion. Je ne veux pas que cela se transforme en désastre. La première personne à surveiller est Jasso. Trouvez le plus de choses possibles et faites-moi un rapport à l'enceinte du point enflammé. Vous recevrez chacun 2000 pièces d'or pour le service. Le domaine se trouve au sud-ouest de la ville. Je vous souhaite à tous bonne chance. N'oubliez pas, dès que vous avez terminé au domaine des Sept Soleils, vous devez absolument me retrouver à la caserne du Pont Enflammé, juste à l'ouest des Sept Soleils. Ok. Bon. Eh ben, on a bien fait d'être honnête. Comme quoi, l'honnêteté, ça paye. Solitaire sur la voie côtière, quel effet ça fait? Hola, compagnon de voyage, vous avez l'air d'être du genre aventurier. Dites-moi, dans quelle direction allez-vous? C'est pareil pour moi, cela crée des liens familiaux en quelque sorte. Le plus intelligent serait de voyager ensemble, surtout avec les bandits qui rôdent dans cette zone. Mon intelligence restaurerait l'équilibre dans notre groupe. Non. J'aurais dû deviner que votre démarche de singe, d'accord, ok, et votre nez minuscule, que vous êtes une parfaite subtilité, c'est pas vrai. Bon, allez, hop, dégage. Il y a moyen de savoir où on va ou... Ah, d'accord, ok.
si, on peut aller là. Ouais, d'accord, ok. C'est parce qu'il y a une toute petite porte et faut vraiment la voir. Ok. Baldur, nous voilà. Eh bien, bonjour jeunesse, quel merveilleux hasard que nos chemins se croisent de nouveau, surtout dans une grande ville comme celle-ci. Ah, votre regard me dit que vous n'avez pas de temps pour les bavardages. Il est vrai, notre rencontre n'a rien de fortuite, mais en vérité, c'est un plaisir de vous revoir. Je suis content de vous revoir, qu'est-ce qui vous amène ici ? Oh, tous les citoyens de la Côte des Épées passent par la porte de Baldur. Et je savais que vous également, vous y passerez. Pardonnez-moi de toujours me mêler de tout, mais je crois que c'est justifié, connaissant les pressions que vous devez subir. Mes discours font certainement triste figure à côté de l'ascendant qui se dégage des autres. Les vôtres compris. Hein. Du côté de l'ascendant qui se dégage des autres. Les vôtres compris. D'accord, ok. Gorion a fait ce qu'il a pu en vous élevant, mais il est difficile de chasser le naturel, surtout dans ce cas, j'imagine. D'accord, il connaissait Gorion en fait. Il n'avait pas agi. Que savez-vous de Gorion? Ouais, Gorion, c'est une histoire ancienne. Non. Que savez-vous de moi? Il était mon ami pendant longtemps et nous parlions souvent, quoique un peu moins après, qu'il se soit installé avec vous. Il était plutôt voyageur, mais n'a jamais regretté son nouveau rôle de père adoptif. Il a pensé qu'une enfance stable pour... vous préparer mieux aux, disons, aux problèmes qui viendraient. Il avait une véritable affection pour vous, j'espère que vous le méritez. C'était un homme bon, mais je préfère suivre mon propre chemin. Je ne voulais pas dire que vous devez faire autrement. Quels que soient vos motifs, l'indépendance est toujours... Excusez-moi, je réfléchis juste. Ouais, on a une dizaine de minutes encore. L'indépendance est toujours salutaire, mais je crains qu'il ne soit plus dur pour vous d'échapper à votre lignée que pour la plupart, un sang mauvais circule dans vos veines. Et pourtant, Gorion a fait ce qu'il a pu pour bien vous éduquer. Il y a un sang infamé en vous. Et il ne vous laissera pas partir sans une bataille pour le meilleur ou pour le pire. Il faudra affronter votre vraie nature le moment venu. J'espère que vous avez la volonté d'affronter ce qui est en vous. Alors, sans ça joue, je vais tout conquérir, ici comme au loin. Ou alors, je sais pas ce qui va arriver, mais je ferai de mon mieux. Bon, la 2 me correspond plus. Ouais. L'avenir sera clément avec vous, j'en suis sûr. Pour l'instant, bonne chance. Voici des noms qui vous serviront bien. La balafre du poing enflammé est un homme bon et digne de confiance. Son supérieur, le duc Eltan, eh bien lui aussi, tous deux méritent d'être crus. Allez, je vous laisse, bonne chance. Donc le duc Eltan peut nous aider éventuellement à Baldur. Apparemment. «
Bah écoutez, comme promis, on est arrivé jusqu'ici. Et c'est ici que nous allons nous quitter. Donc, et bah écoutez, bah sur ce, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. On s'approche pas mal de la fin. Donc, et bah sur ce, je vous dis à bientôt.